Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour, bonsoir, selon le pays laquelle vous vous trouvez. Vous suivez Arc-en-Ciel TV, c'est une chaîne sur YouTube. Et mon émission à moi, c'est la boutique de l'invisible. C'est l'espace qui m'a été réservé pour vous servir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis là pour faire une émission spécialement femmes. Une émission pour les femmes, pour nos mamans. Et je me présente encore à nouveau parce que la répétition est pédagogie. Je suis spiritualiste, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Comme je l'ai dit, même Dieu même qui nous a créés, il y a des gens même qui ne l'aiment pas. À plus forte raison, nous-mêmes qui sommes des humains. Dans ce que j'ai fait, il y a des gens qui vont apprécier, il y a aussi qui ne vont pas apprécier et c'est normal. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui peut apprécier ce que tu fais. Il y a des gens qui ne vont pas se retrouver dedans, il y a des gens qui vont se retrouver dedans. Ceux qui se retrouvent dedans, à nous aller. Ceux qui ne se retrouvent pas dedans, aussi, vous avez raison. Donc, mesdames et messieurs, je suis là pour vous parler de la femme. La femme. Aujourd'hui, la femme est source de création, source de vie, source de multiplication. Quand Dieu dit « multipliez-vous, remplissez la terre », c'est par la femme que l'homme naît. Et chaque être humain est né d'une femme. La femme a des capacités énormes au plan spirituel. La femme est influencée par la lune. Et la femme, énergétiquement parlant, a plus d'énergie spirituelle. Et la femme aussi est sensible aux énergies. C'est pour ça souvent, en matière de possession, on voit que souvent quand dans nos églises, dans nos coins, quand on prie, les femmes font beaucoup de trans parce qu'elles sont sensibles aux énergies. Les femmes ont leur côté spirituel, leur niveau spirituel est très élevé parce que la femme est influencée par la lune et la femme, c'est source de vie et source de procréation. Donc aujourd'hui, c'est pour parler des femmes qui ont des soucis de santé. Vous voyez, en tant que spiritualiste, j'ai développé le côté spirituel. Je vous ai parlé pendant plusieurs années des aspects spirituels de choses, mais je n'ai pas parlé de l'aspect beaucoup santé. Vous savez, je suis spiritualiste, mais aussi je suis médecin prophétique. J'ai commencé ma carrière en Côte d'Ivoire depuis 1998-99. Mon cabinet s'appelait Domaine de guérison spirituelle Santa Maria, situé à Yopougon, Carrefour, Jean-Paul II, pour ceux qui m'ont connu à l'époque. Donc mon cabinet s'appelait Domaine de guérison spirituelle Santa Maria. Les plantes que je prends pour travailler me provenaient des rêves. C'est à partir des rêves que Dieu me montre des plantes et autres. Et c'est à partir de là, j'ai commencé mon petit bonhomme de chemin. Et en 2007, j'ai eu la chance de me retrouver en Angleterre. Et j'ai continué un peu. Et là, je suis de retour. Comme je vous ai toujours dit, ça fait au moins 4 ans, ça va dans 5e année que je suis maintenant basé ici en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, les femmes ont souvent des petits bobos. Des petits bobos de santé. Aujourd'hui, comme ça, il y a des femmes même qui n'ont même pas encore atteint la ménopause, mais ne voient plus leurs menstrues. À 20 ans, il y a des femmes même qui ne voient plus leurs menstrues. Il y a des femmes aujourd'hui même qui ont des petits bobos qui ne pouvaient même pas, ça veut dire qu'ils ne pouvaient même pas procréer. Vous voyez, il y a des femmes aussi, c'est par des avortements. Je vais parler d'avortements, qui ont fait des avortements. Il y a des femmes aussi qui sont mises sur des pilules, qui ont pris des pilules pendant longtemps, ou soit qui ont fait des avortements vraiment terribles. Du coup, cela commence à influencer les menstrues. Donc, ces femmes-là n'arrivent plus à voir leurs menstrues. D'autres aussi, par contre, ils sont influencés par les esprits incubes ou succubes. Vous savez que les génies de nuit, c'est ce qu'on appelle communément les femmes de nuit. Il y a des esprits comme ça, quand ils viennent dans des rapports avec toi, il fait que tes menstrues ne viennent pas. Donc ça peut être un problème aussi pour la femme. Avoir un mari de nuit peut bloquer, mari de nuit jaloux peut bloquer tes menstrues et peut t'empêcher de procréer. Vous voyez, il y a d'autres aussi par contre, ils ont ce que l'on appelle communément le ventre chaud. Le ventre chaud c'est quoi? La femme arrive à prendre, à avoir une grossesse. Mais selon l'évolution de la grossesse, quand la grossesse s'en va dans 3 mois, 4 mois, toujours l'enfant tombe. Toujours l'enfant tombe, ça c'est un. Le chauffement des ventres aussi, ça peut aller jusqu'à ce que la femme accouche, mais elle accouche, les enfants ne restent pas. À chaque fois qu'elle accouche, elle porte une grossesse, elle arrive dans son mois normal. Quand elle accouche, toujours le bébé meurt, le nouveau-né ne reste pas. Donc tout ça, ça peut être influencé par les mauvais traitements gynécologiques, ça peut être, quand je parle de mauvais traitements gynécologiques, je parle de soit peut-être qu'ils ont envie d'avoir... Ils ont fait des criotages mal faits, ou soit ils ont pris des médicaments, des pilules, etc. D'autres aussi, c'est le domaine d'esprit. Il y a des personnes comme ça qui ont un esprit. Il y a une dame comme ça qui m'a appelé, qui m'a dit, elle prend une grossesse. Dès lors qu'elle a des rapports en rêve, la grossesse sort, matin commence à saigner et la grossesse tombe.
À chaque fois qu'elle prend une grossesse, il suffit qu'elle ait un rapport en rêve, qu'elle se réveille, qu'elle sait que la grossesse, tôt ou tard, la grossesse va tomber. Ça, c'est les esprits qui font ça. Et le ventre chaud aussi, il y a des esprits qui donnent ça. Pour ne pas que tu puisses procréer, pour ne pas que tu puisses enfanter. Donc, du coup, le ventre est chaud. Quand tu prends des grossesses, l'enfant ne reste pas. Aujourd'hui, Dieu m'a montré une plante. Une plante très simple. Pour les femmes qui ont les menstrues qui ne viennent pas, ça veut dire que les femmes qui ont les menstrues bloquées, qui ont les menstrues qui ne viennent pas. Il y a une dame comme ça qui m'a contacté depuis la France, qui avait sa fille qui n'a même pas encore 30 ans, qui avait ses menstrues qui ne venaient pas. Ça veut dire que la fille, même qu'elle a commencé à avoir ses menstrues, elle n'a pas vu ses menstrues même plus de 5 fois, mais les menstrues sont bloquées. Par la grâce de Dieu, elle m'a mis en contact avec sa fille ici. Par la grâce de Dieu, ses menstrues sont venues. Donc du coup, j'ai cette plante-là, parce que j'ai décidé de parler d'abord du côté spirituel, mais avant de venir parler du côté femme. Donc c'est étape par étape. Cette année, je vais vous parler aussi de la santé aussi beaucoup, parce que je suis médecin prophétique, je travaille aussi avec des plantes. Donc j'ai une plante que Dieu m'a présentée pour des femmes qui ont des problèmes de ventre, qui ne peut pas vraiment procréer, des femmes qui ont les menstrues qui ne finissent pas, autant que moi, qui ne viennent pas, les menstrues qui sont bloquées, qui ne viennent pas, on peut vous aider à faire venir des menstrues correctement à travers ces plans que Dieu m'a donné de vous mettre à vos dispositions. Le médicament est simple. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas présenter des plantes parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trafic. Il y a des gens, même aujourd'hui, c'est fâche, ils m'appellent, ils me posent des questions sur là, comment je confectionne les savons, et les plantes là, comment il faut se laver avec. Non, ce sont des secrets. Aujourd'hui, dans le monde là, tu ne peux pas appeler un laboratoire pour avoir les secrets du laboratoire. Donc, comme c'est sur internet et que c'est comme ça, il commence à te faire des mauvais commentaires, bien que c'est comme ça, il commence à s'énerver parce qu'il veut ton secret. Aujourd'hui, j'ai présenté des trucs ici. Par exemple, moi, j'ai présenté le miel ici. Il y a des gens qui sont allés payer des quantités de miel. Quand je parle de miel préparé, le miel que moi-même je prépare, le miel que moi-même je fais un travail spirituel dessus, c'est de ça que je parle. Mais beaucoup sont allés payer des miels et puis ils sont en train de m'appeler. Et après, c'est une personne qui commence à s'effacer. Oui, tu as présenté, mais non, c'est une connaissance. Quand quelqu'un a une connaissance, quand tu veux sa connaissance, il y a une manière de t'adresser à lui. Il y a une manière de demander. Même si tu n'as pas les moyens pour payer, mais il y a une manière de demander. Mais il y a des gens qui demandent mal. Parce que tu viens sur Internet, à chaque fois, ils vont commencer à t'appeler. Quand tu m'appelles un homme de Dieu, je ne dirais pas le nom, qui m'appelait comme ça et puis me demande, est-ce qu'on peut prendre telle somme pour faire un combat? Il ne m'a même pas demandé où je suis. Ce n'est pas partout où on est qu'on donne des secrets. Pourquoi on dit secret? Secret parce que ce n'est pas tous les oreilles qui doivent entendre. Donc, il y a des personnes qui appellent, ils m'appellent, ils me disent, mais telle somme là, à quel moment, ou bien telle plante là, à quel moment on peut l'utiliser? Ils disent, non, je ne sais pas. Si tu veux, tu viens à mon cabinet, ou bien soit tu m'appelles de façon sérieuse, on discute, et puis maintenant, si tu dois t'apprendre des choses, tu le fais. Il y a des gens qui viennent vers moi, qui payent des séminaires privés sur des plantes, je les donne. Il y a des personnes qui payent des conférences privées sur des thèmes bien précis, que je les donne, mais pas au téléphone, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, tu m'as entendu parler sur le net, et puis tu m'appelles, tu veux que je te donne tous mes secrets. Et quand je ne te donne pas, tu vas commencer à dire que non, c'est un faux, c'est ceci, c'est là. C'est pas grave, c'est pour ça qu'il a commencé. Tout le monde ne peut pas aider, ne peut pas aimer, ne peut pas. Tout le monde, un homme là. Tout le monde ne peut pas t'aimer, même Dieu lui-même là. Il y a des gens même qui malgré qu'il nous donne la vie gratuitement, il y a des gens même qui n'aiment pas Dieu. Donc du coup, c'est pour dire un peu que nos moments, il y a un secret maintenant pour vous, une plante maintenant pour vous. Je ne présente plus trop les plantes ici ni les produits. Parce qu'il y a des gens même qui disent, prends-moi la photo de tes produits, balance-moi. Non, si tu veux payer mon produit, tu payes. Si tu ne veux pas payer, tu laisses. Mais je ne vais pas prendre photo, balancer aux gens. Comme aujourd'hui, il y a des gens même qui trafiquent nos produits. Il suffit qu'il écoute deux fois, trois fois, il s'en va faire. Quand ça ne marche pas, il dit non, c'est Gloria, attends, il n'est pas venu prendre produit là chez moi ici. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais si on veut voir que l'homme là, on ne va jamais aider l'homme. L'homme, moi, je ne vois pas tout ça. Moi, je fais mon travail. Donc, les femmes qui ne voient pas leur menstrue, qui n'ont pas encore atteint la monopause, mais qui ont des difficultés, qui ne voient pas leur menstrue, en tout cas, j'ai un remède, un pack qui ne coûte pas aussi cher pour vous aider à faire venir les menstrues et nettoyer le ventre pour pouvoir procréer. Il y a des femmes aussi qui ont le problème du ventre chaud. Le ventre chaud, ils n'arrivent pas vraiment à quand ils prennent les grossesses ne restent pas. Aujourd'hui, on peut avoir une grossesse qui peut rester grâce à ce traitement que je mets à votre disposition. Il y a des femmes aussi qui ils prennent la grossesse, ils accouchent, mais le nouveau-né ne reste pas. Il y a aussi il y a un pack que je mets à votre disposition pour que les enfants puissent rester. Donc, en tout cas, contactez-moi. Il y a des gens, le numéro de téléphone s'affiche là, mais ils t'appellent encore pour te demander à quel numéro on peut te joindre. Donc, du coup, souvent, c'est ce qui fait que les gens disent qu'on ne répond pas aux commentaires, on ne répond pas au WhatsApp, parce que les questions que vous posez, souvent, c'est des questions qui n'ont pas de réponse. Quand vous prenez la vidéo, ça écrit en bas là. Vous voyez même le numéro même qui est plaqué là. Mais vous allez demander encore à quel numéro on peut me joindre. Bon, là, je ne sais pas comment je vais te dire. Il y a des personnes même qui posent des questions même qui n'ont rien à voir avec ce que tu dis. Vous voyez, c'est marrant. Internet, c'est bon, mais vraiment, ce n'est pas facile. Donc, du coup, aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour les femmes.
Donc vous les femmes qui n'avez pas, il y a eu des problèmes de menstrues, vos menstrues ne viennent pas, vos menstrues sont bloquées, vous n'êtes pas encore dans la monopause et vous ne voyez plus vos menstrues, ne vous inquiétez pas, à travers ce pack que je mets à votre disposition, vos menstrues peuvent venir normalement, que ce soit des pilules que vous avez prises qui ont bloqué, que ce soit des avortements que vous avez fait dans le temps d'aujourd'hui que vous êtes en train de vous créer des problèmes, on peut faire quelque chose pour vous gratuitement par la grâce de Dieu, les choses à moindre coût. Donc je tiens à dire à toutes ces femmes qui m'écoutent de me contacter parce que mes remèdes sont naturels. Mes produits sont 100% naturels, ce n'est pas des produits qui sont chimiques, c'est des choses naturelles pour votre bien-être et pour votre épanouissement. On peut faire venir des menstrues tranquillement, on peut vous permettre d'avoir des enfants tranquillement, on peut chasser les maris de nuit qui vous fatiguent tranquillement par la grâce de Dieu à travers les remèdes, à travers des plantes que Dieu me révèle pour votre bien-être. En tout cas, pour vous qui me suivez, qui apportez de l'attention particulière à ce que je fais et qui me suivez, qui me comprenez, en tout cas, je tiens à vous dire merci et que Dieu vous bénisse et puis à bientôt pour d'autres numéros.